Bonjour, bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je vous prends car je voulais vous montrer mon avancée sur la toile entre crépuscule et l'aube que je fais avec Brigitte, une abonnée. Donc voilà mon avancée. Je me suis arrêtée ici. Ici, juste ici, pour j'avais fait 8 cases la semaine dernière et cette semaine c'est 8 cases aussi. C'est Brigitte qui a tiré qu'est-ce que je pourrais faire avec vous? Le 66, c'est le bleu foncé là, le bleu, non, c'est pas du bleu, c'est du vert déjà. Alors, mon mari, il est en train de réparer ma voiture. Ils ont enlevé le pare-choc. Et donc, du coup, là, c'est... Ils avaient enlevé la pompe à gaz ou je sais pas quoi. C'est remis... Non, c'est le bocal. Qui était mis... l'ancien bocal, il l'avait enlevé. Il est mis plus loin et en fait c'est le premier bocal qui fuyait, c'est pour ça que je perdais du gasoil dans la Rigo. Donc là ils réessayent, ils ont changé les durites. Donc là ils réessayent de démarrer parce que tout à l'heure il y avait toujours une petite fuite. Donc du coup ils ont changé une partie des durites mais pas tous. Et là, alors si vous entendez rire, c'est mon fils. Hein. Il est sur le canapé. Tu as 15 ans. Il regarde ses vidéos, il rigole. Je l'ai prévenu que je faisais une vidéo. Donc en principe, il sait que il ne va pas être supposé de rire. Hop, 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 hop. Qu'est-ce que c'est que ça? Une, deux, il me faut le troisième fil. Donc si toutefois ils ont besoin, ils m'appelleront. Cela, mon mari, il m'a mis du scotch parce qu'il y avait une cassure sous le pare-choc. Donc du coup, ils ont, mon mari l'a acheté un appareil pour agrafe hein, pour souder deux parties quoi. Quand vous faites des agrafes sur vous quoi, ben quand vous êtes opéré à l'intérieur, et donc du coup il y avait du scotch à l'extérieur, donc il a enlevé la première partie et il galérait avec ses, comment ça s'appelle, en masse, je sais plus le nom, la colle ménagée. Et donc, il frotte comme un malade. Quoi. Je dis, mais attends, j'ai un produit. J'étais sur ce dans le bureau. Alors, si vous entendez, c'est ma fenêtre. J'espère que ça ne fera pas trop de bruit. Dans la vidéo, je crois que je vais fermer ma fenêtre. C'est comme un courant d'air. Et moi, j'ai fermé les volets. Parce que toute la journée, on a le soleil devant. Et en fait, bah, on cuit. On cuit, on cuit. Et là, comme ma porte-fenêtre de la cuisine est ouverte, j'espère que vous voyez quelque chose. Oui. Hop. Et on y va. Attendez, je mets juste mon point. Chose. Hop, j'arrive. Hein. Juste là, je vais juste la fenêtre parce que ça fait tourner et en plus les gens passent. Bah, les gens parlent de sens. Donc ça fera du bruit dans la vidéo. Alors, je ne sais pas combien de temps je vais vous prendre. Donc moi je me suis préparé un petit café. Mon ménage est fait. Ok, ça devrait.
mets le pont. Hop, je tourne un petit peu. Hier, j'arrêtais pas de me piquer. J'ai fait que ça. Et je faisais aïe, aïe. Marie, à un moment, elle me fait, mais qu'est-ce que t'as? Pourquoi tu dis toujours aïe, aïe? Je dis, bah, parce que je me pique toujours dans le majeur. Et là, j'ai toujours le doigt sous... Il faudrait que je prenne l'annulaire, pas l'annulaire, l'index, pour le mettre en dessous, parce que je trouve qu'il a un peu plus de cornes, il est moins abîmé par l'aiguille. Et en fait, je me rentrais à chaque fois l'aiguille dans le doigt avec, bah, avec celle-ci, hein, parce que j'ai commencé hier. Franchement, j'aurais vite, vite, vite avancé cette semaine. Je suis fière de moi. Brigitte a tiré vendredi et donc du coup j'avais dit oh, bah, je partirai plus vers le bas et à vous je vous avais dit par les cheveux mais bah, je continue les cheveux je ziote quand même que mon mari se pointe pas et me demande un truc. C'est possible. Hein. Alors, si je vous coupe en vitesse, veuillez m'en excuser, c'est que mon mari a besoin de moi. Donc, du coup, il m'a dit, ah, bah, viens de ce côté-ci, faire avec ton produit miracle, là. C'est vrai que c'est du. Oh, vous le trouvez à l'action, ce produit-là. Du cura. Mais pour enlever les... bon, ça fait gras. Hein. Ça fait gras. Mais... dire pour le scotch, vous enlevez la première partie. Ben, la deuxième part comme un rien. Alors, j'ai pris, vous savez, les lingettes. Non, c'est pas des lingettes. C'est des... comme des compresses pour bébé. Là, vous avez un côté rugueux. Rugueux façon de parler hein. Aïe ça y est et ça recommence et toujours dans le même doigt hein. Bon et puis qu'est ce que je voulais vous dire je ne sais plus mais j'arrive pas à broder droit faut toujours que je penche la toile vers mon ben, je sais pas hein. J'ai une sale manie là en ce moment j'ai remarqué ça déjà l'autre jour quand je vous ai fait ben, c'était la semaine dernière. La petite avancée sur la toile. Donc là, je vais faire un grand pont, tant pis. Mais je vais reprendre par là pour redescendre. Après, je rentrerai mon fil pour faire... Oh, je sais pas. Je ne sais pas. Et on réfléchit tout le temps. On fait de la broderie. On s'occupe le cerveau, en fait. Hop. Ah oui, moi je m'avais préparé un petit café, tiré coréolé. J'ai nettoyé la cafetière à mon mari. La cafetière à mon mari. Ça, c'est les cafetières qui broient du. Les grains là. De Longhi. C'est la deuxième qu'on achète. Elle nous avait fait 6 ans. Bon, vous la payez cher, hein, mais ça vaut le coup. Bon, moi, j'en bois pas de ce café-là. Je le trouve trop fort. Je ziote. Non, il n'a pas besoin. Bon, après, il est avec mon fils hein, de 18 ans. Il n'est pas tout seul. Il faut de la mécanique. Bon, après, ça fait 3 semaines. Hein, je m'en marre. Ils ont en marre, après je les comprends. Hein. Donc mon mari a acheté des durites sur Amazon. Si c'était moins cher que sur le site où on prend les pièces de voiture sans permis. Et du coup il a pris une taille en dessous du 6 mm. Et mon fils il a râlé, il m'a dit ouais t'aurais dû prendre du 8. Ça aurait été plus pratique, on aurait mis des serres, je sais pas quoi là.
C'est pas des serre-joints, c'est des... Je sais pas quoi. Bon, bref. Moi, je suis pas mécanicienne. Zini, c'est bon. Mais très, très agréable, hein, cette toile. J'adore. Comme le Charles Fleury, pareil. Pour l'instant, j'ai pas de soucis. Là, j'avais eu un chouille de décalage. Mais pour moi, pas grave du tout. On voyait les symboles. Bon, j'ai fait un nœud ou quoi? Hop. Donc là, j'essaie d'avancer un peu sur les vidéos. Car bah, j'aimerais bien avancer au niveau des vidéos pour que vous ayez des vidéos un petit peu la semaine où je suis hospitalisée. Donc là, on est le 15, 16. On est le 16, le dimanche 16. Après, vous, vous la verrez beaucoup plus tard. Là, j'ai fait une vidéo. Je l'ai mise 3 fois sur YouTube. Bon, non, mais vous rendez compte, 3 fois. Je devenais folle. Je le fais encore une fois, là. Après, j'abandonne. J'en ai marre. En fait, c'était la vidéo qui se faisait en... La vidéo était bien, hein, mais en fait, c'était le... En crotte. Le tour de la vidéo était en noir. Et à chaque fois, je mettais correctement... Ben, je pensais mettre... mettre correctement la vidéo, vous savez, sur le programme de montage, il y a affichage. Et en fait, il faut mettre sur le premier et ça tombait toujours sur le deuxième, je sais pas pourquoi. Et 3 fois, j'ai fait la vidéo. Ah, ils essaient de démarrer la voiture. Doudou. Hop là. Je prends mon ciseau. Il est où? Alors. Ah ben. Je vais coller à l'aimant. Vous savez qu'on n'a toujours pas mangé les 3 ans d'après. Il va être 3 ans l'après-midi. Ils ne veulent pas s'arrêter avant qu'ils aient fini la voiture. Il est 3 h l'après-midi, on n'a pas mangé. Donc si je descends là, je pourrais reprendre là. Ok, on y va. Vous voyez toujours bien. J'espère que vous voyez bien. Dites-le moi en vidéo hein, si ça va pas. Si vous voulez voir plus gros, je peux agrandir l'image. Non, c'est pas de ce côté-là, c'est de ce côté-ci. Ah, j'ai pris dans le blanc. Ok, là, c'est bon. Hop. Je pense qu'ils essaient de démarrer. Il faut que le bocal du gasoil soit rempli. Et après, ça remue. Moi, j'espère qu'il n'y aura plus de fuite parce que. On en a marre. 3 semaines, pas de voiture. On en a ras-le-bol. Ah, on a une bonne nouvelle. Bah, pour nous, bonne nouvelle. Pour mon fils, moi. Oh, il a fait la gueule. Oh là là là, le grand 18 ans. Parce qu'il a accepté un internat et c'est un gosse qui est très solitaire. Il veut personne, il veut pas d'aide, machin, même à la maison. Hein, il vit dans sa chambre. Quoi. Et il râle tout le temps. Mais tout le temps, c'est un gamin qui râle tout le temps, ça va pas comme lui il veut. Et en fait, il a été accepté un internat. Et hier, on n'a pas été au courrier. Je sais pas pourquoi. On y va tout le temps. On a été aux courses et ouais, on n'a pas pensé. Comme le jour avant c'était férié, moi, pas de courrier, tant mieux. Hein. Et donc du coup,
celui-là, ouais, plutôt là. Je vois juste un petit coup et après, ben, on finit le boulin et on a fini avec cette couleur. Sur mes 8 cases. En parlant comme ça, on a la bouche sèche. J'essaie de le mettre droit et là, vous voyez quand je pique. Ouais, cette toile là elle est plus pratique. On l'a. Ah ben ça y est, elle démarre. On va voir s'il y a. Ah, elle a calé. On va voir s'il y a encore des fuites. Ça c'est le problème. Après, je sais pas, je crois qu'ils m'ont parlé de 3 durites. Moi, j'y connais rien en mécanique. S'ils ont changé les 3, j'en saurai plus tout à l'heure quand ils seront plus calmes. Cela, j'évite de parler. Ah, parce que mon mari, il est d'un calme, mais d'un calme, mais quand ça va pas comme il veut, il dit rien, mais il râle. Faut pas le dire, mais il râle. Je ne parle pas trop fort parce qu'il va m'entendre. Il dit ouais, il me dit, ouais, c'est pas de ma faute, je suis un sanguin. Quand ça va pas comme je veux. Oui, oui. En fait, tous les deux étaient tellement énervés parce qu'ils cherchaient un truc. C'était devant leurs yeux. On a cherché dans le cellier, on a cherché dans le garage, dans le bureau, là où. Ça les a énervés. Il m'a dit, ouais, range rien. Oui, il faut tout comme ça. Je dis rien parce que après c'est un calme. Après c'est nerveux. Encore plus. Ça ne sert à rien. Et mon fils, à un moment, ben, il va arrêter de chercher. Hein, parce que mon fils, il prend un sachet. Il ouvre le sachet. Il fait non mais papa, il est devant nos yeux. Devant nos yeux. Et nous, on ne voit rien. Tu vois que c'était rangé. Là, je vais vous prendre un petit peu comme ça. Oui, donc la bonne nouvelle, je vous ai pas dit. Mon fils est pris à l'internat. Il faisait la gueule. Ouais, j'ai rien à foutre, manière ça me plaît pas, j'arrête. Tu sais très bien, vous savez, non, que je suis solitaire. Mais tout le monde me fait chier. Comme ça, il m'a dit. Et je dis, tu vas redescendre. Hein. Je dis, de toute manière, je dis, tu vas pas me casser la tête. Hein. Parce que jusqu'à maintenant, c'est moi qui ai appelé pour les appartements, pour les aides et tout ça. Et il me dit, ben, je me démourirai, j'appellerai moi. J'ai dit, tiens, tu vas appeler maintenant. Parce que j'ai dit, je t'ai demandé. Hein. J'ai dit, parce que tu as 18 ans, il faudrait que tu te prennes un petit peu en main. Il me fait, ouais, mais je sais pas quoi dire à la dame et tout, ou au monsieur. Ben, je t'explique ton cas. Que tu es étudiant et que tu cherches un appart, et puis voilà. Et qu'on est caution. Comment caution non, pas gérant. On est, je sais plus quoi. Bref, et si tu parles avec les gens, ouais, mais j'aime pas. Ah, bah, j'ai oui, t'aimes pas. J'ai mais à un moment donné, j'ai tu sais, j'ai toujours été là. J'ai le jour où je suis plus là, vous faites comment? Ben, je sais pas. Ah, bah, j'ai oui, tu sais pas. C'est facile à dire, hein, maman, elle est là, maman, elle fait. Je mets sur pause. Je reprends, il est venu juste chercher un truc. Il m'a dit je te prends ça, j'ai pas le choix. Ok. Pas de problème. Donc je vais mettre le fil là en attendant. Même si je pars de l'autre côté, je le récupère. Je rentrerai le fil et je le récupère. C'est comme ça moi. Mais bon, là, j'ai essayé de récupérer des fils pour mettre là, mais le reste,
il n'y en a pas besoin. Je vous remets sur pause, je reviens. Donc me revoilà, ça se prend la tête parce que c'est toujours pas réparé. Donc on va faire les petits triangles noirs. Alors je déroule pour trouver mon triangle pointe en bas noir. Et c'est du 73. Et on y va. C'est du moutarde. Hop. Ça n'est pas sorti. Je vérifie juste, non. Ça n'est pas là. Des fois que j'aurais mal regardé, hein. La tête, moi je n'en mets pas. C'est mon fils, c'est un nerveux, il s'énerve pour un rien. Donc je tapote sur mes fils pour en sortir 3. Et ben, j'essaie de remettre le fil droit. Parce que quand vous tirez sur un fil, ça fait un zirguiguille. Attendez, je vais vous montrer. Hop, ben voilà, ça fait ça. Vous êtes tout là, oui. Vous l'entendez d'ici. J'espère que vous n'allez pas trop l'entendre. Dans la vidéo, ça c'est mon fils qui râle, qui parle fort. Très fort, on va dire ça. Sans dire. Guerre. Il pourrait aller sur les marchés, lui. Ah, il n'y a pas de problème. Hop. Donc là, je prends mon premier fil. Oh non, j'ai fait un nœud. Oh non, 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 non. Ah, ça y est, c'est bon. Hop. Je tire doucement. Je sais pas combien de temps j'ai vu. 22 minutes. Alors je cherche le bout de mon fil. Moi j'en ai un là. C'est quoi ce truc? Ben, vous ne voyez pas, mais j'essaye de. Donc là, j'ai déjà 2 fils. Et où le troisième? Il est où le troisième? Là. Il est là, le bout, le bout, le bout, il est là. Hop. Donc, vous voyez. Attends, vous êtes où? Là. J'essaie d'égaliser mes fils au maximum. Voilà. Moi, je mouille toujours un petit peu. Hop. Donc, après, je regarde le bout. J'essaye d'égaliser. Je coupe. Ça, c'est jamais droit. Bon. J'ai jamais arrivé à voir à tirer les fils et après à comment dire voilà. Je tire doucement. Hop. Je ne vous vois pas grand chose. Et voilà. Et on y va.
Alors, je vous ai expliqué que j'arrivais pas à mettre les. Donc, on appelle ça les cercles. Et tout à l'heure, je vous ai parlé de garant, mais c'est pas garant, c'est. Oh, putain, je l'avais tout à l'heure dans les toilettes. Bon, je vous avais dit gérant et c'est garant. Donc, on verra ce qu'il va faire, s'il trouve. Après, il reste une association à rappeler. Peut-être les rappeler. Pour lâcher le mot. Parce qu'en fait, je crois qu'ils veulent des renseignements. Je pense au niveau. C'est de mon mari. Donc, on verra bien. C'est là pour l'instant, nous n'avons plus de CAF pour lui depuis février. En fait, depuis l'âge de ses, le mois de ses 18 ans. Et bon, on a envoyé les papiers qu'il voulait et tout. Et next. Ils n'ont pas traité ou l'ont perdu ou je sais pas quoi. Mais moi, j'envoie toujours les papiers en accusé de réception. Donc, on verra bien ce que ça donne. Ah, il y avait l'orange aussi à finir. Bon, on fait déjà celui-là. C'est juste pour vous montrer l'avancée. Hein. Ça avance, ça avance. Hier soir, j'ai fait du DP. J'ai fait sur le. Je voudrais finir le Diamond Painting d'action en carré. Vous savez, le. Le comment on appelle ça, le paysage asiatique avec le mince, comment on appelle ça, le la verdure, les fleurs, une montagne, parce que là, je suis dans la montagne. Est-ce que vous voyez quelque chose? Je vais me décaler comme ça. Là, je suis sûre que vous allez voir. Moi, je suis sûre, j'espère. Oui, 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 oui. Ouais, j'ai fait un bon carrière, j'étais pas trop bien hier. J'ai mon mari, j'ai dû manger trop gras parce que j'ai mangé des chips et après à table j'ai mangé du thon maillot. J'avais envie de vous savez, les tomates thon maillot et en fait j'ai pas mangé de tomates du jardin. J'ai pas mangé de tomates. J'ai mangé que ça et j'arrive plus, je suis pas bien. Mon estomac, nausée, comme d'habitude. Hein. Mon mari m'a dit j'espère qu'après l'opération ça ira mieux, t'as vraiment mangé un peu correctement. J'ai vu ça, le problème sur mon bypass, j'ai un ulcère et j'ai l'hernie. Donc du coup, il peut rien faire. Bah, juste à part enlever l'hernie pour l'instant. Donc elle m'a dit c'est en ouvrant que en opérant que je vois ce qu'il y a à faire. Donc elle m'a dit si vous avez la chance j'arrive à l'enlever comme ça et je vous recoue à l'intérieur, je vous soude les deux muscles en fait et c'est bon, mais si c'est trop gros j'ouvre tout. Et en fait, je suis obligée de vous poser un filet pour maintenir tout ça. Donc, on verra bien. Ça faisait 2-3 jours que j'avais bien mal. Mon mari m'a dit, j'espère que ça va passer parce que j'ai encore une semaine à attendre. Avec des douleurs, c'est pas fameux, quoi. Si je chope une grosse crise, jusqu'à maintenant, j'arrive à gérer. J'espère que je vais arriver à gérer jusqu'au 25 juillet. Hein. Quand ça va pas, ça va pas. Et je fais rien. Je fais rien. Entre guillemets, quoi. Je fais pas de vidéo parce que je suis vraiment pas bien. Je fais mon ménage, je fais à manger. Et encore des fois, manger le soir, c'est mon mari qui fait. Tout est préparé. Trois carrés préparés. Des fois, il y a juste à réchauffer, mais bon. Même des fois, réchauffer, j'ai la nausée.
Rien que l'odeur de la nourriture. C'est désagréable. Alors des fois, mon fils, il mange, ben, je vous avais dit là, ses pâtes avec son... Juste, comment on appelle ça? Ses oignons frits là. Oh là, my god. Oh, que je le hais quand il fait ça. Ça pue. Ben, ça pue. Non, ça pue pas. C'est moi qui supporte pas l'odeur, mais c'est bon. Côté, si c'est bon, donc je vais rentrer mon fil. Hop, je vais passer en dessous de celui-ci. Du pont, l'aiguille elle veut pas passer. Ok, c'est bon. Alors, je vais me faire un. Je trouve plus mon. Ah, ben il est là-haut. Monter à poudre. Hop, mais j'ai regardé quelques vidéos ce matin tout en faisant mon ménage. Par contre, il y avait l'aspirateur parce que du coup, j'entends rien. Donc, celui-ci, c'était du 73. Donc, on va le remettre sur la cartonnette. Bon, après, il faut qu'ils essayent encore la voiture. S'ils arrivent à arrêter, pareil. Bon, je fais encore l'orange avec vous. Combien de temps là? 32. Alors le orange, je crois que j'en avais dans le coin. Non, là, c'en est pas. C'en est pas. Ça doit être du Bordeaux, je crois bien. Et j'en ai pas par là. Là, c'est pas ça. Je descends un peu des fois que j'aurais mis. Non, j'en ai pas. Alors. Orange, c'est du 47. Alors, c'est pas sur la cartonnette là, c'est pas sur celle-ci. 47, c'est du brun. Hop, j'ai pas de fumée non plus, donc j'en prends un. Hop. Si vous allez voir, je prends de ce côté-ci. J'ai les mains, mais d'un sec. Et de deux. Et de trois. L'autre côté, il y a juste 3 points, mais tant pis, je le ferai quand ça sera. Bah, je pense la semaine prochaine ou dans les semaines qui suivent. Je ziote. Mon mari qui me demande un truc. Voilà, ça va, je ne les entends pas trop râler. C'est que ça va quand même. Je sais pas à combien de café je suis aujourd'hui, mais on va dire je suis au moins 6 cafés ce matin. Depuis ce matin, c'est pour ça que t'as pas fait, tu arrêtes pas de boire. Bah oui, mon estomac en fait, à chaque fois il est rempli. Alors je vais couper l'extrémité. Je vous mets sur pause. Bon, je vous reprends. J'ai eu de la visite que j'attendais pas.
Donc, du coup, c'était la 47. 47, je crois que c'était les triangles bleus, non? Ah, zut, ça accroche à mes doigts. 47, non, c'est l'orange. Donc, on va finir ces quelques points avec vous. C'est comme ça, si je vois bien. C'est ça. Oh mince. En crotte de crotte. C'est le bon là. Ouais, c'est ça. Hop, en principe. Que vous allez bien. Oh, ben là, vous voyez rien du tout. Allez, c'est parti. Donc, ce que je vais faire, pense que je vais faire la croix complète. Mon mari l'a fini avec la voiture. Il y a encore une pièce à changer. Mais ça sera fait le mois prochain. Et après, c'est bon, je pourrais faire des kilomètres avec. Et là, déjà, il a résolu les fuites. On a commencé à 9h ce matin, il est 19h27 et depuis 9h du matin, il est sur la voiture. Sans pause déjeuner, sans pause manger. Là, je lui ai donné quelques gâteaux tout à l'heure. Et s'il ne voulait pas manger, bien sûr. Et je lui ai donné quelques saucissons. Coupé en tranches, autrement il tombe. Tout à l'heure, il n'avait toujours pas pris ses médicaments. J'avais beau lui dire, alors je suis sortie. Donc ils m'ont recollé le pare-choc. Donc du coup, je peux pas rouler demain. Alors, ça, si je vous la programme pour là dans 15 jours ou la semaine d'après, ça la semaine prochaine, je sais pas comment je vais faire. Aïe. Changez-toi en dessous parce que je sens que je vais me replanter l'aiguille. On va se remettre par là. Donc, du coup, vous n'aurez pas vu jusqu'à la fin, mais bon,
J'aurais vu un petit bout quand même de mon avancée. Il y aura un peu plus d'une demi-heure. Je finis avec vous ces points-ci et je vous laisse. Il faut aussi que je vous fasse un peu d'épée quand même, pas que de la broderie. Je vous prendrai peut-être demain sur un DP, je sais pas lequel. Oui, je vous arrêtais un peu brutalement, entre guillemets. C'était pas prévu que ma cousine se pointe. Et elle est venue à l'improviste, sans téléphoner, sans rien. Sachant que hier il a plu, à torrent, que mon mari ne pouvait pas faire la voiture. Il savait très bien qu'il faisait la voiture. Donc là, après, je vais aller chercher mon linge que j'ai pendu ce matin dehors. Ah, mon mari démarre la voiture. On n'a rien de temps. J'ai mis la clé. Il a mis juste un coup de clé. On peut pas la bouger pour l'instant. Alors, j'ai le fil là qui me gêne. Et après, je me plante mon fil juste à côté. C'est mon carré là, il est fini avec cette couleur là. Mais j'ai juste besoin de 3 points sur cela, donc quand j'arriverai là, je les enlèverai. Là, pardon, je vous ai mis un coup dans le pied de la caméra. Donc je vous montre, ben il me reste quoi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, allez, peut-être 10 couleurs à faire. Allez, 11 pour être sûr. Et j'ai fini mes petites cases là. Là, il y a 2 points juste à faire. Donc, je rentrerai mon fil. Là, il y a 3 points. Là, c'est des petites. Là, il y en a 3, mais après, là, il y en a encore en bas. Mais toujours aussi agréable. J'adore toujours autant. Bon, bah écoutez, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye tout le monde!